Ouf, Judith, t'as fini? Est-ce que tu peux me trouver la télécommande de la clim? C'est possible que tu me trouves la télécommande de la clim? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu bouges pas la bouche. Oh, Jim, bouge pas, s'il te plaît. Ça va. Ouf. Ne touche pas, non, tu touches pas, tu touches pas. Vas-y, doucement, doucement. Bravo. Trouve-moi la télécommande de la clim, s'il te plaît. Est-ce que tu peux chercher la télécommande de la clim? Regarde, là, voilà, là-bas. Au mur, là. La télécommande de la clim. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Est-ce que tu sais allumer? Tu sais pas, hein? Jemima, ce que tu fais là, c'est la sorcellerie en fait. Quoi? Je t'assure. Mais tu essaies d'allumer sans pile. Il n'y a pas de Quand pile. je fais la sorcellerie, je fais même pas la C'est pas la sorcellerie, ça, c'est une façon de parler en français. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est impossible en fait. Il faut mettre les piles. Donne-moi les piles là-bas. Prends là-bas, tu donnes. Voilà, bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Alors, je voudrais partager avec toi cette grande révélation ce soir. J'aurais dû le faire peut-être pendant un culte, mais nous allons en parler aujourd'hui et je reviendrai peut-être là-dessus prochainement. Ok. Voilà. Donc partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum de personnes. Dites-moi si le son est bon. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté. Et pour ce moment encore qu'il nous accorde, cette nouvelle journée. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà. Tu fais quoi? Tu fais quoi là? Donc partageons la vidéo au maximum. Partageons au maximum. Et bienvenue à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ce matin travailler à une meilleure présentation. Permettez, hein? J'ai fait une promesse hier. Et je voulais tenir la promesse. Donne-moi ça, s'il te plaît. Donne-moi ça. Oui. Non, 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 ça. Oui, donne. Donc, j'ai fait une promesse hier et je voudrais revenir sur ça. Vous savez, lorsque nous prophétisons de la part du Seigneur, il y a des gens. Hein? D'accord. Lorsque nous parlons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quoi le ministère des prophètes? Il faut que les gens comprennent cela. Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es notre Dieu et ce soir encore tu nous amènes dans les profondeurs des mystères du ministère des prophètes. Que ton nom soit béni. Père, je me remets à toi. Sois ma source d'inspiration. Édifie plus d'une personne. Tu es le Dieu qui connaît les programmes des États. Que ton nom soit glorifié ce soir. Seigneur, je me remets à toi pour aller dans les profondeurs des méandres de la ziggourat des révélations prophétiques. C'est toi le Père des esprits des prophètes. Seigneur, prends contrôle sur mon esprit à 100%, à 200%. Sois au contrôle, Seigneur. Sois mon Dieu. Sois le Dieu de ma vision. Sois le Dieu de ma révélation. Seigneur, merci parce que tu m'aideras à voir en détail les choses que tu as dans ton programme. Parce que nous sommes dans une génération qui doute.
la véracité de la véridicité de la parole des prophètes, parce qu'elle ne comprend pas le ministère des prophètes. Mais toi, Seigneur, tu as révélé ta volonté à tes serviteurs, les prophètes, et tu leur as partagé ton secret. Et mon âme te loue et te bénit pour le secret de Dieu que tu as partagé avec tes serviteurs, les prophètes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, partageons la vidéo au maximum. Nous attendons un maximum de personnes. Je vais vous annoncer ce soir par l'Esprit de Jésus-Christ les choses qui vont arriver aux chefs d'État Burkina Faso, Mali et Niger. Voilà, je vais vous annoncer les choses qui vont arriver là-bas. Nous voulons déjà, pendant que nos bien-aimés sont en train de venir, s'il vous plaît, si vous connaissez un frère du Burkina Faso, taguez-le. Invitez-le, partagez la vidéo à tous les Burkinabés. Partagez la vidéo à tous les Maliens. Connaissez quelqu'un qui est du Mali? Dites qu'il y a un prophète qui est en train de parler sur le Mali. Parlez au Niger. Connaissez quelqu'un qui est du Niger? Partagez-lui la vidéo. Dit qu'il y a un prophète qui veut prophétiser et annoncer les choses qui vont arriver dans ces nations avant que ces choses n'arrivent. Donc, partage la vidéo. Je laisse le temps aux gens, pendant que je fais quelques annonces, d'inviter les gens. Le Burkina Faso doit être connecté, le Mali doit être connecté et le Niger doit être connecté. Partageons la vidéo. Si vous avez un ami, un parent, un frère, une sœur, etc., qui est de ces pays-là, partageons la vidéo là-bas. On va parler un peu des secrets des rois devant l'Éternel, le Père des esprits, des prophètes. On a Firmin, comparé qui dit, je suis du Burkina Faso. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. On a Olivia qui dit qu'elle est du Burkina Faso. Donc voilà, partageons la vidéo à toutes ces nations-là. Nous voulons que les gens là viennent s'asseoir ici à la table. Nous allons ensemble escortiquer les choses qui vont arriver avant qu'elle n'arrivasse. Parce que pour le moment, rien ne se passe là-bas. Donc, invitez ces personnes-là, taguez ces personnes, invitez-les. Nous allons nous asseoir à la table des prophètes. Vous êtes heureux ce soir de pouvoir participer en direct à la table des prophètes. On va parler des choses que l'homme normal ne peut pas voir. Des choses qui résultent du conseil de Dieu, du secret de Dieu. Je bénis encore le Seigneur. Bienvenue à Bintou Konaté qui est du Burkina Faso. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, partageons la vidéo, je vous en prie, et envoyons des tags, des tags, des tags et des tags. Avant d'y arriver, il faut savoir qu'en France, ce mois de février va s'ouvrir avec vous. Nous ouvrirons le mois de février avec les bien-aimés de la France et de l'Europe en général. Donc, je vous exhorte à vous déplacer comme c'est l'habitude, comme vous avez l'habitude de le faire. Votre zèle pour Dieu n'est plus à être décrit. Tout le monde le voit. Vos œuvres parlent en votre faveur. Donc, quel que soit votre pays en Europe, ne manquez pas la deuxième édition de la nuit de la turbulence prophétique. La nuit de la turbulence prophétique, ce sera vendredi 2 février de 21h à 5h du matin. Vendredi 2 février de 21h à 5h du matin. La deuxième édition de la nuit de la turbulence prophétique, ce sera dans la même salle que le 31 décembre, la lune d'or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. Donc, nous serons là vendredi le 2 février, de 21h à 5h du matin pour la grande nuit de la turbulence prophétique. Si vous n'avez pas été là la dernière fois, je pense que l'occasion vous sera donnée cette fois-ci de vous rattraper. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 4 février, nous aurons la toute première édition du culte des familles, culte familial avec consécration des familles. Pour la première fois, nous aurons un culte familial en Europe. Donc, prépare-toi, prépare tes enfants, ta famille, les habitants de ta maison à être présents dimanche le 4 février à partir de 9h. À partir de 9h, ce sera toujours dans la salle Lune d'Or. Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. Donc, il y aura culte national, culte familial là-bas. Et nous allons nous présenter devant l'Éternel avec nos familles, avec service d'eau ointe. L'eau ointe vous sera donnée à l'entrée de la salle, ou bien étant dans la salle.
Donc mon équipe est en train de travailler déjà d'arrache-pied à cela. Donc que Dieu vous bénisse, prenez ça à cœur. Nous allons nous présenter devant Dieu avec nos offrandes de consécration familiale. Voilà, ce qui fait le culte de famille, on a la consécration à l'Éternel avec nos offrandes de famille et nous avons le service d'eau ointe. Voilà, et Dieu manifestera une grande grâce au milieu de son peuple. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est extraordinaire. Et à Yaoundé, j'ai culte ce dimanche à partir de 7h30 à la Bire. Nous avons un grand culte prophétique à partir de 7h30 à la Bire. Et par la grâce de Dieu, le soir à 16h, je serai à Douala. Donc les habitants de Douala doivent m'attendre. Je serai là avec vous pour le culte de ce dimanche. Donc je ferai un coup double. J'aurai culte à Yaoundé et le soir, j'aurai culte à Douala. Donc préparons-nous nombreux massivement du côté de Douala. Que l'annonce puisse passer, parce que nous allons passer des moments agréables. Cette année 2024, c'est ton année. Il faut dire que en février, nous ouvrons le mois avec Paris, avec l'Europe. Et le thème, que ton étoile brille. Voilà, ton étoile doit briller. Donc c'est la nuit des étoiles brillantes. La nuit des étoiles brillantes, le dimanche des étoiles brillantes. Donc si ta prière, c'est d'accomplir en cette année 2024 des choses que tu n'as jamais accomplies dans ta vie. Parce que c'est ça le but de ces nuits de prière, de ce culte de famille. C'est-à-dire, c'est d'accomplir des choses que jamais on a accomplies. Parce que cette année, si tu fais les choses que tu as déjà faites, ou qu'on a vu les gens faire dans ta famille, c'est que tu as échoué. Donc, il y aura une notion royale. Il y aura une notion royale, un établissement dans la royauté qui sera donné à tous les participants. Donc, pendant que vous venez, que le Seigneur vous bénisse et mettons ça dans notre agenda. Alors, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Dimanche, le 21, nous avons culte des familles ici. Dimanche le 21, nous avons culte des familles à la Bire. Et ce vendredi 19 février, j'ai la nuit des flammes ici à Yaoundé. Donc, vous êtes mes invités. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons revenir dans le vif du sujet. Les choses qui vont arriver aux dirigeants du Burkina Faso, dirigeants du Sénégal, dirigeants du Mali et du Niger. Vous savez, le ministère des prophètes est un ministère combattu parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un ministère prophétique. Un peu comme j'ai commencé hier dans l'incipit de cette série de directs, par dire que lorsque les gens condamnent un prophète, on dit non, ça c'est faux, c'est l'arrangement. C'est vrai qu'il y a des prophètes qui arrangent les prophéties, ça c'est clair. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrange les prophéties. Ce n'est pas parce que vous avez connu un faux prophète que ça dit que tout le monde est faux. Non, il y a des gens qui écoutent Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Il y a des gens à qui Dieu a donné la possibilité de le connaître et d'écouter sa parole. Donc bien aimé, je pense que les gens qui doutent des prophètes, c'est juste parce que il mesure le mystère et la puissance du ministère des prophètes à la capacité humaine. Il ne voit pas que c'est Dieu qui agit à travers un homme. Parce que celui qui est parvenu à discerner que ça c'est la main de Dieu qui est en train d'agir, alors il ne va pas douter parce que c'est que cet homme est incapable. C'est un humain comme moi, mais c'est la puissance de Dieu qui se révèle dans sa vie. S'il vous plaît, est-ce que les Burkinabés sont là ce soir? Parce que s'ils ne sont pas là, on ne va pas faire le direct, ils ne donnent pas la révélation. On attend une occasion propice. Est-ce que le Mali est là ce soir? Est-ce que le Mali est là ce soir? Est-ce que le Niger est là ce soir? Est-ce que le Niger est présent? Princesse, apporte-moi ma tablette. Tu vois, ma tablette en haut là. Prends-moi ma tablette Samsung, viens avec s'il te plaît. Est-ce que le Mali est là? Est-ce que le Burkina Faso est là? Est-ce que le Niger est déjà là? Pour que je commence. Donc je disais qu'il y a des gens qui disent que non, les prophéties que nous donnons, nous avons arrangé ça. Et je raconte souvent mon témoignage ici au Cameroun. À un certain moment, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur moi, des enquêtes très sérieuses par les services de renseignement. Il y a eu des grandes enquêtes qui ont été faites sur moi. Je ne dis pas ça par imagination ou non, non, non. Non, c'était très sérieux. Pourquoi? Parce que les services de renseignement pensaient que on montait les prophéties. Ils étaient convaincus.
Les gens étaient convaincus que je payais les gens pour monter les prophéties. On prophétisait comme ça, c'était un arrangement. Je dis encore, il y a des prophètes qui le font. Il y a des prophètes qui tirent des informations des gens. Il y a des prophètes comme ça. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui envoient des gens, ils prennent des renseignements sur Facebook, ils prennent des renseignements chez les gens, ils envoient leur fils prendre des renseignements, etc., pour pouvoir prophétiser. Ça, c'est la vérité. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Dieu parle. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des vrais prophètes, il y a des gens à qui Dieu parle. Donc, j'expliquais que les gens étaient convaincus que j'arrangeais les prophéties, c'est-à-dire que c'était des montages, comme les gens ont l'habitude de dire, que non, ça c'est des prophéties montées. Or, ce n'était pas monté, ils ont fait des enquêtes, c'était très sérieux. J'ai causé un jour avec un commissaire spécial qui m'a avoué ces choses. Il m'a montré sur sa table une pile de dossiers, une pile de documents. Et il m'a rappelé, il m'a dit que ça, c'est vous, c'est votre document. C'est votre document ici. Ça, c'est les recherches sur vous. Il me l'a avoué comme ça. Il m'a dit, non, maman, je ne dois même pas vous dire ça. Mais il m'a dit, voilà. Il m'a dit, tous vos mouvements sont épiés. Nous savons ce que vous faites en temps et en heure. Donc, il pensait que c'était des montages. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Qu'est-ce qui a amené la délivrance? Qu'est-ce qui a amené ces autorités à comprendre que ce que le monsieur s'y fait, c'est sérieux, il n'y a pas le faux? Parfois, je finissais le culte comme ça, et puis les services de renseignement venaient poser des questions aux gens. Est-ce qu'on vous a payé? Est-ce que c'est arrangé? Est-ce qu'on vous a... Et les gens disaient, non, on ne le connaît même pas. C'est la première fois cette heure-là. C'est lorsque j'ai donné des prophéties internationales et nationales concernant parfois même la présidente de la République, c'est là que les gens commençaient à comprendre que non, cette affaire-ci, c'est sérieux. Ça, là, ça ne peut pas être un arrangement, même pas avec le chef de l'État camerounais ou bien avec d'autres chefs d'État dans d'autres nations. Les gens commencent à comprendre que non. Ça, c'est pas normal, ça. Vous voyez. Et ça a changé la mentalité des gens. Et c'est là que on a commencé à me prendre très au sérieux dans cette nation. Les gens commencent à comprendre que non. Il ne peut pas s'arranger avec le chef de l'État. Il ne peut pas s'arranger avec un régisseur de prison et que le chef de l'État, il prophétise que le régisseur de prison sera révoqué de ses fonctions. Et quelques semaines après, par décret présidentiel, on révoque le régisseur de prison. Non. Il ne peut pas arranger avec... qu'est-ce qu'on va même raconter aux gens? Le deuil national. Il annonce le deuil national par l'Éternel avec des drapeaux en berne, etc. Et la chose arrive exactement comme ça. Alors, les gens commencent à comprendre que non, là c'est sérieux. Ça veut dire que c'est pas des arrangements, la main de Dieu est derrière cette affaire. Voilà ce qui m'a sauvé et qui m'a donné une certaine... Assois-toi là-bas, si tu te mets là, ça va toujours te frapper. Et qui m'a donné une certaine notoriété aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, mes amis. Maintenant, on a annoncé les choses dans d'autres nations, au Togo. J'ai eu à parler sur le Togo à l'époque. En évoquant l'intervention d'un parti d'opposition, j'ai parlé dans d'autres nations, beaucoup d'autres nations, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans le Saint-Esprit a fait son œuvre. Donc, et là, ne touche pas ça, chérie, s'il te plaît. Tu vas bouger le téléphone, je t'en prie. Et donc, là, les gens comprennent que non, il faut faire attention, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Et je voulais dire à l'équipe de la télévision de se rassurer que le direct s'y passe normalement sur YouTube. Parce que je suis en train de voir là, je n'aime pas ça. Ça ne me fait pas plaisir du tout. Donc, ils arrangent ça, absolument. Donc, et vous voyez, on a eu, laissez-moi vous raconter au moins deux choses, partager avec vous deux témoignages, et je vais revenir dans le vif du sujet. On a eu, j'ai reçu une fois le ministre de la Défense d'un pays qui a pris l'avion pour venir me rencontrer parce qu'il avait le problème avec son patron.
Lorsqu'il est arrivé, c'était dans cette maison-ci. Ils sont arrivés de nuit. Parce qu'il y a des gens qui consultaient les prophètes de nuit, pas de jour, ils ne viennent pas en journée. Ils viennent la nuit. Quand tout est sombre, quand on ne peut pas les reconnaître, c'est là qu'ils arrivent. Donc je les ai reçus dans ce salon. Et on a parlé ensemble. Et il m'a dit son problème avec son patron. Et il m'a dit qu'il voulait aller rencontrer son patron. Et il ne sait pas, il veut la parole de l'Éternel. Et s'il sera accueilli, qu'est-ce qui va se passer là-bas? La parole de l'Éternel lui a été adressée, mes amis. Je le dis par l'Esprit de Jésus-Christ, que quand vous irez, voici ce qui se passera. Voilà ce que le chef de l'État vous dira. Voilà comment il vous accueillera. Voilà ce qui va se passer exactement. Et il a reçu la prophétie et il est parti. Quand il est parti, quelques temps après, ils m'ont appelé. Et il m'a dit grand merci pour remercier parce que il dit qu'il ne savait pas qu'il serait reçu. Mais il est parti, on l'a reçu et les choses se sont passées exactement d'après la parole que l'Éternel lui avait adressée. C'est ça en fait, mes amis. C'est ça les prophètes. Donc on ne peut pas changer ça. Et je me souviens, j'ai souvent raconté l'histoire là, qu'il y avait quelqu'un, une grande autorité de ma nation en prison. Et comme ma chaîne de télé passe en prison, alors cette autorité m'a vu intervenir. Elle a donc décidé d'envoyer quelqu'un me rencontrer. Elle a décidé de rencontrer quelqu'un, envoyer quelqu'un me rencontrer et puis la personne est venue voir mon fils, le Reverend Bassama. Le Reverend Bassama m'a dit, il y a telle autorité dans la prison, telle prison, qui demande qu'est-ce qui va se passer avec elle. Et je lui ai dit que ça, on ne parle pas sur le téléphone. Je lui ai dit, laisse-moi prier. Et qu'on lui dise que j'enverrai la réponse après. Et c'est comme ça que j'ai pris le temps, je suis allé consulter le Seigneur, et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Le Seigneur m'a dit, va, dis-lui ainsi par l'Éternel. J'ai rappelé le Reverend Bassama. Je lui ai dit, il faut aller. Va en prison. Va aider à cette autorité ainsi par l'Éternel. Parce que tu m'as cherché. Parce que tu as cherché la face de l'Éternel, ton Dieu. Et que tu t'es tourné vers lui. Et non pas vers les marabouts. Ainsi par l'Éternel. Toi, tu sortiras. Je retirerai de la prison par un décret spécial. Quelque temps après, il y a eu un décret spécial pour cet homme. Et par ce décret, il était invité à sortir de la prison et il est sorti de la prison. Aujourd'hui, il n'est plus en prison. D'après la parole que l'Éternel lui avait adressée. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens doivent comprendre qu'il y a Dieu dans le ciel et il a des prophètes sur la terre. La Bible dit, le lion rugit, qui ne tremblerait? L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Lorsque l'Éternel parle, nous prophétisons, mes amis. Et ce soir, je voudrais prophétiser, je voudrais partager avec vous une révélation prophétique, ce qu'on appelle la prophétie prédictive, qui annonce, ne touche pas chérie, qui annonce les événements avant qu'ils n'aient lieu. Voyez. Donc, revenons maintenant au sujet de ce soir. Nous avons le Burkina Faso. Pardon, taguer quelqu'un, taguer les gens. Taguons les gens, taguons les gens. Donc, vous savez ce qui se passe actuellement au Niger. Vous savez qu'il y a une coalition entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il y a une coalition, il y a une solidarité, une collaboration étroite entre ces présidents. Donc, tout va bien pour ces trois présidents aujourd'hui et ils sont la fierté de l'Afrique. Voyez, ils sont la fierté de l'Afrique. Excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose ici. Ils sont la fierté de l'Afrique. Partout, on parle d'eux. Ils ont amené une certaine révolution panafricaine dans leur nation. Ils sont des héros de l'Afrique aujourd'hui.
Je me souviens dernièrement quand j'étais en train de voyager, le commandant de bord, notre commandant, nous a expliqué, la CD Air France a expliqué on va prendre un détour. Il y aura un détour, pourquoi? Parce que on ne peut pas survoler les nations comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, je pense le Mali. Et le Mali, donc. Ça montre l'état de tension. Nous connaissons tous la tension forte. La tension forte qu'il y a entre le Mali et la France. Le Mali qui est dirigé actuellement par le président Assimi Goïta et le Burkina Faso par son Excellence Ibrahim. Et puis Burkina Faso, on n'a pas le Niger. Voilà, il y a le Niger. Donc il faut que les gens sachent. Je m'en fais attention, je t'en prie, ma fille. Il faut que les gens sachent que Dieu parle encore aujourd'hui. Je pense qu'actuellement, au Niger, c'est le général Abdourahmane Tchiani. Maintenant, je voudrais que toutes ces nations-là puissent écouter la parole de l'Éternel. Que ces nations puissent être attentives. Vous voyez, le Burkina Faso, les choses se passent bien. Il faut dire que ces trois nations ont apporté une grande révolution en Afrique, une grande révolution montrant que certaines choses qu'on pensait impossibles sont possibles aujourd'hui. Ces grands dirigeants africains ont montré la fierté de l'Afrique et l'Afrique était capable aujourd'hui de dire non à l'hégémonie des puissances étrangères qui nous ont toujours dominés depuis longtemps. Ils ont défendu l'Afrique. Ce n'est pas seulement une histoire du Burkina Faso, du Mali, du Niger, mais c'est une histoire de l'Afrique en général. C'est-à-dire rétablir des relations équitables entre les nations africaines et les grandes puissances de l'Ouest. Ouais. Et même dans la collaboration avec la Russie, ces nations-là, ces dirigeants-là répètent à la Russie que nous débarrassons pas d'un hégémoniste pour nous mettre encore sous l'hégémonie d'un autre hégémoniste. Non. Ils disent clairement que nous voulons un traitement d'égal à égal. Ce qui est important, ce qui est louable. Donc, nous bénissons Dieu pour cela. Mais maintenant, je suis au Cameroun et je veux parler des choses qui se passent dans le secret que l'Éternel Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes, concernant ces trois nations. Mais si vous êtes de ces nations, prenez ça comme un sujet de prière. Il faut comprendre que la prophétie, lorsqu'elle arrive, elle vient nous annoncer le plan premier de Dieu, l'intention première de Dieu. Mais cette intention peut changer. Si on tient en considération les tenants de la prophétie, si on tient en compte les tenants de la prophétie, alors automatiquement, l'intention de Dieu peut changer. Il faut que les gens comprennent cela. Mais si on ne tient pas en compte la prophétie, alors automatiquement, elle arrivera. Rien ne l'empêchera. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophétie conditionnelle et la prophétie inconditionnelle. La prophétie inconditionnelle, ça veut dire que même si on fait quoi, ça va arriver. Or, la prophétie conditionnelle dépend de nous. Celle qui est inconditionnelle dépend de la souveraineté, du domaine de la souveraineté de Dieu. Maintenant, regardez. Vous savez, Dieu m'a tient. Tiens bien. Ces nations que vous voyez, ces trois présidents, que ce soit le Niger, le président Tchiani, que ce soit le Mali, avec Assimi Goïta, que ce soit le Burkina Faso, avec son Excellence Ibrahim, dans tous les cas, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des choses rampantes
Il y a des choses rampantes qui sont en train de se passer, mais que l'œil nu ne peut pas voir. Mais que Dieu, le Père des esprits de prophètes, permet aux prophètes de voir. C'est-à-dire que, étant au Cameroun, mon esprit se promène. Burkina Faso, mon esprit se promène au Mali, il se promène au Niger. Et je peux parler avec autorité, avec certitude, des choses que le Seigneur m'a montrées. Des choses que le Seigneur m'a révélées. Maintenant, vous savez, mes amis, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, ces trois chefs d'État doivent faire attention. Ces nations doivent faire attention. Parce que la bataille n'est pas finie. Elle n'a même pas encore commencé. Les Burkinabés doivent prier pour leur président. Les Maliens doivent prier pour leur président. Et les Nigériens doivent prier pour leur président. Nous sommes contents. Nous sommes heureux. Nous acclamons. Nous disons c'est beau. C'est extraordinaire. Enfin, le rêve est accompli. Mais moi, je dis attention. Ce que j'ai vu dans le conseil de Dieu, dans la cour des prophètes, mes amis, ce n'est pas réjouissant. Ce n'est pas réjouissant. Et je veux le dire, que Dieu me donne des paroles de sagesse pour pouvoir les porter. Et que ceux qui sont autour de ces chefs d'État, si vous m'écoutez, vous pouvez parler à l'un de ces chefs d'État, apportez-leur le message de l'Éternel. À l'heure où je parle, il y a une pieuvre vorace invisible qui est en train d'être créé contre ces trois présidents. Il y a une conspiration forte qui est en train d'être créée contre ces trois présidents. Et cette conspiration, et je le dis encore, il y a un coup d'État qui est préparé. Il y a un coup d'État, alors je suis en train de parler, il y a un coup d'État qui est préparé contre ces trois présidents. Quand je parle d'un coup d'État, je parle d'un coup d'État préparé. Préparé par l'Occident. Pas un coup d'État préparé par l'Afrique, non. Je parle d'un coup d'État préparé par l'Occident. Et ce coup d'État quittera de l'Occident pour trouver des membres de la sixième colonne dans ces trois nations. Dans l'entourage des présidents de ces trois nations. Et j'ai vu un esprit, et sur cet esprit, j'ai vu trahison. J'ai vu trahison. Je vous dis par l'esprit de Jésus-Christ qui m'a appelé. Le Burkina Faso doit prier pour le président Ibrahim. Le Niger doit prier pour son président, son Excellence Tiani. Le Mali doit prier pour son président. Parce que si nous ne prions pas, cette joie que vous voyez, cette liesse, sera de courte durée. Elle sera de courte durée. Parce que voici exactement les choses qui vont se passer. Lorsque la pieuvre vorace aura fini d'être créée, alors elle sera envoyée en Afrique. Elle sera envoyée en Afrique dans chacune de ces nations. Elle trouvera des associés prêts à trahir l'action que ces héros ont posée. Ceux qui seront prêts à trahir leur pays, à trahir leur nation par intérêt égocentrique. Et cette pieuvre trouvera ces personnes en leur promettant des choses extravagantes. Les faisant miroiter de grandes choses. Et ces personnes-là, ces membres de la sixième colonne, accepteront la proposition de la pieuvre aux tentacules voraces. Et la pieuvre empoisonnera leur conscience. Et quand leurs consciences seront empoisonnées, alors ils seront prêts pour la riposte au coup d'État. Ils seront prêts et à porter atteinte physiquement, je parle de physiquement, à ces trois chefs d'État.
Et si nous ne prions pas suffisamment, l'Afrique va perdre ses trois héros. Notez ça. La fin ne sera pas bonne. Si on ne prie pas, on ne se tient pas à la brèche. Ces gens-là ne se font pas entourer d'une muraille de prière pour que Dieu expose les traîtres au milieu d'eux. Je parle par l'Éternel qui m'a appelé. Leur fin sera triste. Leur fin sera triste. Et des personnes qui vont renouer avec l'ancien système vont reprendre le pouvoir. La flamme s'éteindra. La grande flamme que vous voyez là, cette flamme risque de s'éteindre. Si on ne prie pas, elle s'éteindra. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de relais en Afrique. Elle n'aura pas de relais en Afrique. Elle sera menacée. Il y a une vague de riposte qui arrive. Maintenant, je suis en train de parler. Je prends un témoin. Je ne suis ni burkinabé, ni malien, ni nigérien. Je suis au Cameroun. Je parle à partir du Cameroun. Mais j'annonce par l'Éternel le père des esprits de prophétie qui va arriver. Donc, si on ne prie pas, vous entendrez des bruits de coups d'État. Des bruits de coups d'État, de destitution au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Notez ça. Vous entendrez parler de trahison. De trahison au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et ces présidents qui sont là actuellement risquent de ne pas mener à terme la révolution qu'ils ont commencée. Et donc, dans les visions de l'esprit, sur la colline des prophètes, pendant que l'Éternel me montrait ces choses, il m'a fait voir loin devant. Il m'a dit, regarde, tu as vu cette période que tu vois, ces choses, cette gloire que tu vois, que les Africains voient à travers ces trois présidents, en fait, c'est les prémices de ce qui arrivera. Mais le fruit n'est pas encore mûr. Le fruit n'est pas mûr. La saison n'est pas accomplie. Ils sont les prémices. Ils sont un peu les pionniers qui montrent que c'est possible. Mais la saison n'est pas venue. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle surviendra, la difficulté, personne ne les soutiendra. Ils seront trahis, même par leurs frères présidents, par d'autres présidents africains. Ils n'auront pas de relais. Parce que cet esprit, cette flamme n'a pas embrasé toute la génération de ses dirigeants. Et j'ai vu un désert dans le règne des prophètes. J'ai vu un désert. Et il y avait cette révolution que j'ai vue qui était forte, celle de ces trois nations. Et puis le désert, c'était un moment où les choses contre lesquelles ils ont bagarré, les portes de leur nation se sont réouvertes et ces choses-là sont revenues. Et ça a pris un long moment. C'était un désert. C'était un temps de frustration, un temps de complainte, un temps de lamentation, un temps de pleurs où le peuple s'est trouvé impuissant. Et ça a pris un temps de temps. Et après ce désert, il y a eu la deuxième rivière. Souvenez-vous que la première rivière, c'est un ruisseau. Et ce ruisseau est représenté par ces trois rois, ces trois présidents, Niger, Mali, Burkina Faso. Et il y aura cette pieuvre qui viendra, qui sera de les éteindre. Et si leur nation ne prie pas, on les éteindra. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la fin, ce ne sera pas la fin. Et c'est tout le monde me suit. Et c'est un problème avec le live, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit que ce ne sera pas la fin. Il y aura donc un désert, un moment de désert, de retour. S'il vous plaît, envoie les cœurs et les pouces bleus. Je ne vois pas ni les cœurs ni les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus pour que la plateforme puisse être recommandée. Donc, je ne vois pas les pouces bleus, s'il vous plaît. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Je vous en supplie, c'est tout ce que je vous demande ce soir. Tout ce que je demande ce soir. Et donc, après ces choses-là, après ce désert, j'ai vu une armée, une jeune armée. Il y avait une jeune armée de présidents ayant une flamme. Et cette flamme était la liberté de l'Afrique, la libération de l'Afrique. Et c'est cette deuxième vague qui est venue s'imposer. Et l'œuvre que le président Ibrahim, le président Tiani, et le président Doumbouya, ah c'est Doumbouya,
l'œuvre, non, c'est pas Doumbouya, le président du Mali, Goïta, Simi Goïta, l'œuvre que ces trois ont commencé, alors en ce temps-là, l'Éternel m'a montré qu'il y aura donc un esprit qui va embraser la mentalité de tous les chefs d'État africains, ou de la majorité, d'un bon nombre de chefs d'État africains. Ils seront tellement nombreux qu'ils formeront un tissu qui va résister à l'attaque. Et c'est là que la délivrance de l'Afrique commencera. Mais que ceux que nous voyons aujourd'hui, ils sont les prémices, mais ils sont seuls. Ils sont les prémices de quelque chose qui arrive. Mais ils sont seuls. Ils n'auront pas de soutien. Leurs propres frères, présidents d'autres nations, au jour de la difficulté, ne pourront pas prendre soin d'eux. Et j'ai dit une chose. Nous prions. Nous prions par l'Éternel. Nous prions que les nations prient. Que ce qui arrive à Thomas Sankara ne se répète pas au Burkina Faso. Qu'on prie. Si nous ne prions pas, la flamme là sera éteinte. Elle sera éteinte. Ces nations vont pleurer, l'Afrique va pleurer avec elles. Parce qu'au jour de leur détresse, ils n'auront pas où se réfugier. Leurs frères leur refermeront les portes. Au jour de la trahison qui est en train d'arriver, ils n'auront pas de soutien, ils n'auront pas de renfort, ils n'auront pas de refuge. Pourquoi? Parce que personne ne voudra se mêler à leur bataille, qui n'est pas seulement la bataille de leur pays, de leur peuple, mais de toute l'Afrique. Mais leurs frères ne seront pas à même de se mêler à cette bataille pour préserver leur trône, pour préserver leur couronne. Donc l'Afrique doit prier. Et je pense que les églises du Burkina Faso, du Mali, et les églises du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent se lever pour prier pour leur président. Si nous prions, écoutez-moi bien, si nous prions bien et que Dieu les préserve jusqu'à terme de leur mandat, leurs successeurs ne continueront pas leur œuvre. Notez ça, je répète. Si nous prions bien dans ces nations pour ces dirigeants, ce qui se passera au mieux, ce sera qu'ils mèneront à bien leur œuvre. Mais leurs successeurs ne suivront pas, ils seront corrompus. Leurs successeurs ramèneront l'ancien système et gâteront leur œuvre, leur travail. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Le fruit n'est pas mûr. Mais lorsque le fruit sera mûr, il tombera seul. Et lorsqu'il tombera, toute l'Afrique se réveillera. C'est plus pour longtemps. Et ça, ça montre au moins que l'Afrique peut se réveiller, que l'Afrique peut être indépendante, que l'Afrique peut être respectée au concert des nations. Ça, c'est le message qui nous est donné, que c'est possible. Mais je dis encore, il y a un esprit que j'ai vu infiltré dans les présidences de ces trois chefs d'État. Et j'ai vu écrit sur le front de cet esprit, trahison, 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 trahison. Lorsque j'ai vu cette chose, j'ai commencé à pleurer devant l'Éternel. J'ai dit, pourquoi Seigneur? J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier devant Dieu. J'ai commencé à parler au Seigneur. Il y a une conspiration. À l'heure où je vous parle, il y a une rencontre. Il y a une réunion qui est en train de se tenir. À l'heure-ci, il y a une réunion qui se tient, il y a une rencontre dans un pays francophone. À l'heure où je suis en train de donner ces prophéties, il y a une rencontre qui est en train de se passer. Et dans cette conspiration, il y a le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Ibrahim. À l'heure où je parle, il y a une conspiration dans une nation francophone, européenne. À l'heure où je suis en train de parler, ils sont en réunion. Ils sont en train de planifier comment infiltrer l'entourage de ces trois présidents. Comment capter des personnes déloyales
autour de ces trois présidents pour les retourner contre eux. Et ce sera des membres des services de renseignement bien formés, ayant pour mission d'éliminer, si c'est possible, physiquement, le président Ibrahim, le président Tiani et le président Goïta. Ces choses vont arriver. Elles arriveront. On doit prier. Les Africains doivent se lever. Toutes les nations, l'Église dans toutes les nations, doit se lever pour prier pour ces chefs d'État que leur vie soit épargnée. Je vous dis la vérité. Il y a une réunion qui se passe à l'heure-ci. Mon oreille entend ce qui se dit dans cette réunion. Mon oreille entend. J'entends les gens dire dans cette réunion que élimination physique. Et si vous n'arrivez pas à éliminer physiquement, on capture, on passe dans une mascarade de tribunal. On les jette en prison. Ils vont passer leur temps en prison là-bas. Ils vont mourir en prison là-bas. Voilà les deux choses qui sont en train d'être dites à l'heure où je parle dans une rencontre dans un pays européen, francophone. Alors je suis en train de parler concernant ces trois présidents. Élimination physique ou alors si on les capture vivants, qu'on les traduise devant la CPI. Qu'on les traduise devant la CPI. Qu'ils soient condamnés. Qu'on les oublie pour toujours. Bon. Pour que ce plan marche, il faut que leurs frères africains qui sont à côté d'eux acceptent de les trahir. Et ils vont accepter. On doit prier. On doit juste prier que lorsque la chose arrivera, que Dieu expose la conspiration, que le plan échoue. Et si le plan échoue, si nous prions et que Dieu nous exauce, et le plan échoue, je parle comme Jonas allant à Ninive, et que le plan échoue, et que nos trois héros finissent leur programme, je vous dis la vérité par l'Éternel. Nul homme ne peut prendre le risque de parler en public s'il ne sait sur quoi il compte et d'annoncer les événements avant qu'ils n'arrivent. Donc si nous prions beaucoup, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, leurs successeurs vont gâter ça après. Et le Mali, le Niger, Burkina Faso, ça reviendra comme avant. Vendu aux grandes puissances. Mais si nous prions fortement, le Seigneur aidera. Le Seigneur certainement nous fera grâce. Il va exposer à chaque fois qu'il y aura une conspiration contre ces chefs d'État. Donc il faut faire attention, mes amis. Faisons beaucoup attention. Nous sommes bénis par leur courage. Nous sommes bénis par l'abnégation. On voit comment les terroristes souffrent. Maintenant, on voit le travail qu'ils font, la sécurité qu'ils ramènent dans leur pays, etc., 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 etc. Mais, ne vous laissez pas aveugler par ça. Ce n'est pas que ça qui va arriver. Il y a un tsunami qui arrive contre ces trois présidents. Il y a un tsunami. Et l'Éternel me l'a montré. Et ces vagues sont terrifiantes. Ça sera d'une telle férocité que vous n'en avez jamais vu. Ça sera d'une férocité que vous n'avez jamais vu. Ça viendra d'abord de façon furtive. Ça commencera de façon furtive. On ne se rendra pas compte que c'est ça. Et à la fin, les journaux, les chaînes étrangères, France 24, seront en tête. Vous parlez en se moquant. Ô Éternel, prions ensemble. Éternel, nous te demandons la grâce que l'Afrique se réveille. Prions juste que l'Afrique soit respectée, c'est tout. Que l'Afrique soit respectée au Conseil des Nations. Que les nations africaines soient respectées au Conseil des Nations. Nous prions, Seigneur, pour le président Ibrahim. Nous prions pour le président Goïta. Nous prions pour le président Tiani. Père, préserve-les au nom souverain de Jésus. Nous nous joignons au peuple malien, au peuple nigérien, au peuple burkinabé. Nous demandons la sécurité de ces chefs d'État qui n'ont rien voulu que le salut de leur peuple,
qui n'ont rien voulu que le bien de l'Afrique, de leur nation, de l'Afrique, le respect de l'Afrique, retrouver l'identité de l'Afrique. Seigneur Dieu, nous demandons que tu préserves leur vie, que les desseins de leurs ennemis ne s'accomplissent pas au nom souverain de Jésus. Que ta bonne main les garde, que ta bonne main les protège, que ta bonne main les préserve, qu'ils mènent à bien jusqu'au bout la mission que tu leur as donnée. Ô Dieu, toi seul peux les garder, toi seul peux préserver leur vie, interviens en leur faveur, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, dimanche, je vais ressasser un peu cette prophétie-là, sur ces nations-là, pour apporter des éléments supplémentaires. Et juste pour dire que l'Afrique peut se lever. C'est ce que ça nous prouve. Mais l'Afrique n'est pas encore prête à cause des traites, à cause des divisions internes. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Merci pour votre temps précieux que vous m'avez prêté. N'oublions pas, chers bien-aimés en France, que je serai en France pour la deuxième édition de la Nuit de la Turbulence prophétique ce vendredi 2 février. Mets ça dans ton agenda. Vendredi 2 février, 21 à 5 heures du matin, Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. Et dimanche le 4 février, la toute première édition du culte de consécration des familles à l'Éternel. Bien-aimé, ne manque pas cela. Ne manque pas. Sois présent et Dieu te bénira. Viens avec ta famille. Nous nous présenterons. Il y aura service d'eau ointe. L'eau ointe sera gratuitement distribuée à tout le monde et nous allons consacrer nos familles en nous présentant devant l'Éternel pour être oint avec nos offrandes de consécration familiale pour le mois de février. Pour le reste, le Seigneur disposera. À Yaoundé, je suis là dimanche à partir de 7h30 à la Bille pour un grand culte prophétique. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je serai le soir à 16h à Douala. Dieu manifestera sa gloire. Et faites attention aux faux comptes en mon nom. Tous ceux qui vous écrivent au nom du prophète Ferdinand Ikane, qui vous demandent de l'offrande, vous envoient des prophéties, des demandes d'amitié, c'est pas moi. Méfiez-vous. Deux, c'est des bandits, c'est des arnaqués, ils vous demanderont tout l'argent, et etc., etc. C'est pas moi. Ils vont vendre l'huile de faveur, ou le mouchoir, l'eau et tout ça en ligne. Nous ne faisons pas cela, bien-aimés. Soyons prudents. Mon compte, nous sommes à 215 000 abonnés, je pense maintenant. On est à 215 000 abonnés. Donc, regardez la page Ikane Ferdinand à laquelle vous êtes abonné. Si ce n'est pas 275 000, vous êtes sur la mauvaise page, c'est pas moi. C'est pas 275 000, vous êtes abonné à la page d'un arnaqueur. Parce qu'il y a des arnaqueurs qui ont plus de 50 000 abonnés. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont sur une fausse page, que c'est pas moi en fait. Donc, vérifiez. Maintenant, va, regarde la page où tu suis ce direct. Il y a combien d'abonnés? Si ce n'est pas 275 000, bloque cette page-là, signale-la et cherche ma page, tape Prophète Ikane Ferdinand. Mais quand tape mon nom sur Facebook, Prophète Ikane Ferdinand, il y a plus de faux profils qui sortent. Pour trouver mon compte lui-même, c'est compliqué. Mais Dieu nous aidera à trouver une solution à cela. Donc que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Passe une très belle nuit et que la grâce de Dieu soit sur toi, que la paix de Dieu, sa sécurité soit sur le Burkina Faso, sur le Mali et sur le Niger. Bonne nuit à chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, shalom, bye.